C'était le retour de Omar et Sofiane, on a décidé de leur organiser une petite dégustation américaine. Je crois que vous deux, vous avez déjà fait une dégustation américaine. Moi, j'avais goûté avec vous à l'époque de Code Family, quand on était dans ta chambre, à l'époque. Quand on était fou, on n'avait pas de cheveux. Et du coup, Myriam, toi, t'as jamais goûté des trucs américains, on est d'accord. Et Omar aussi, il a pas goûté, c'est que moi. Jure ? Bah non, parce que moi aussi, c'est à l'époque. Ah ouais. On a des Oreos. Des pop starts, des Kit Kat, plein de choses. Vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Let's go. Prochaine semaine, on va organiser. J'organise la première fois. Vous allez goûter les Twinkies. Ça a l'air d'être archi bon. C'est parti. Je pense que ça va être votre nouveau gâteau préféré. Hop, hop, on en prend un. C'est une dégustation. Il faut goûter. Il faut juste goûter. Un pour toi. C'est fourré. Un pour Sofiane. Incroyable. Un pour Maliel. Et un pour Yuma. Pour ma propre personne. Bismillah. Wow, c'est super bon. Ça a le goût d'une madeleine. Il y a un mais, c'est sûr il y a un mais. Non, il n'y a pas de mais. Là, c'est bon, mais en fait en mode au milieu c'est du fluff. C'est du marshmallow. La fluff. En fait, si t'en manges un tout petit peu ça passe crème. Voilà. Mais si t'en manges beaucoup ça va t'écœurer. On l'a vu, le manger les deux entiers c'est chaud. On va passer aux chips. Les petites chips. Ah ouais, j'ai déjà goûté ça. Ça, t'as déjà goûté. Myriam, elle voulait grave. C'est quoi ça comme chips? Miel moutarde. Moutarde miel. Ça sent bon, ça sent. Eh, ça sent la sauce moutarde miel. Ouais, vas-y, je voulais prendre une chips. Oh, l'idée. Incroyable. Ouais, bah, moutarde miel. Incroyable. Ça, incroyable de chez incroyable. C'est vraiment incroyable ça pour l'instant. T'as un putain de goût. Garde la masse pour encore à l'odeur. Tu peux te dire ouais, c'est bizarre, pue, mais à l'odeur, au goût, incroyable. Bon les gars, t'as la pensée quoi? On va se faire plaisir. Non. Eh, c'est à moi de choisir quand même. Attends, d'abord Myriam, t'en penses quoi pour l'instant? Moi, je pense que c'est bon. C'est mieux que la France. Et fais gaffe à ce que tu dis. Moi, j'ai une question, Younes. Est-ce que t'es pas grave pressé d'arriver à ça? De mal à toi. Je te connais, toi. Vas-y Myriam, on te laisse choisir, tu peux prendre ça. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. De la on a vu ça sur le site. Elle m'a dit, Younes, faut trop que qu'on goûte. Ah, c'est pas italien, ça. Hein. C'est de la compote. C'est pas italien. C'est japonais. C'est chinois. Japonais. J'ai pensé à tout. Ah, c'est chaud. Ouais. C'est du jus. Je crois que c'était de la compote. Mais... Ah, je me suis fait troll. Attends, passe. Je pense savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah, chacun à la bouche. L'aspect A. Comme un robinet. Ah, j'ai goûté, on dirait du médicament. Ah, du médicament. Prends tes médicaments, t'es malade. Sirop pour la toux. J'ai goûté dans la cuillère. On dirait que du sirop pour la toux. Oh là, c'est ça. Oula, il a raison, c'est des médicaments. Quand t'es malade. Oula, il a raison, c'est des médicaments. T'as pris tes médicaments, Sofiane? Oula, il y a des morceaux. Je sais pas. Vitamine. Oula, il y a des morceaux. Il y a des petits morceaux. Mais c'est sûr, ils ont coupé des cachets. Attends, je fais le focus. Ah ouais. Les vitamines, c'est des vitamines. C'est à moi de choisir ce qu'on va manger et je... Alors, autant l'emballage, il est trop beau. Alors là, il donne grave envie de malade l'emballage. Mais les gars, goût... c'est éteint. C'est éteint. On prend ça, je m'en fous, on prend ça. Mais j'ai trop envie de goûter. Ça, c'est à toi, si je peux dire. Kit Kat à la fraise. C'est un goût chimique. Ça, t'as déjà. Ah, on avait déjà goûté. C'est un goût chimique. Peut-être qu'ils se sont améliorés depuis. Non, je peux pas, ça va réveiller mon démon, je pourrais pas. Ah, le sucre, t'as pas le droit. Ouais, ça va réveiller mon démon. On va laisser Myriam dire son avis parce qu'elle va être un peu influencée par les grands. Bah déjà ça a le goût un peu de la fraise et du chocolat. Ouais, et tu trouves que ça passe ou c'est éclaté? Ça passe. Ça passe? C'est okay. Pas ouf hein. T'as fait grave bon. C'est bon. Mais pourquoi t'as pas fait ta réaction de fluffy? Ouah, je vois que c'est pas ouf. Ouais, c'est grave bon. En fait c'est étrange mais c'est bon. Mais c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Voilà, ouf. Merci. Tu vois, mais c'est bon. Bien. Moi, ce que Younes, non, le meilleur pour la fin. On n'a pas le droit d'y toucher jusqu'à la fin. Moi, je dis tester. Un peu soif alors, avec toutes ces dégustations. Non, oui, regardez le goût. Fanta à la pêche. De l'ice tea gazeux en mode. Et là, le gaz, ça va tout niquer. Regardez la vitesse. Regardez la couleur. La couleur, t'es prêt? Il a pété un câble. Oh, wow. De la pisse. On a du pipi, c'est de l'alcool. Du pipi de chameau. La pisse. Du pipi de chameau. Non, juste sans une essence. Non, mais c'est chimique. Quand t'es malade. Ah, c'est malade. Voilà, ça sent le shampoing. Vas-y, moi je vais te dire. Yassine. Qui sent Yassine? Ah ouais? On dirait le shampoing. Vous voyez le dop au Dragibus? Quand t'es dans la boîte, c'est dans la douche. Ma parole, c'est ça. Je vous promets, c'est ça. Je me rappelle, le goût, c'est pas terrible. C'est pas ouf, hein. C'est le pire Fanta que j'ai jamais goûté. Ça va en vrai. Ça va. Ça existait pas là, c'est pas terrible, mais ça va. J'ai toujours voulu goûter du shampoing. L'ice tea gazeux. Ah, l'arrière-goût. Ah, il faut. Ah, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas. Ah, il y a un arrière-goût. Waouh.
café chocolat. 210 calories pour le paquet. Waouh. C'est carré. Je fais la distribution. Vas-y. Franchement, c'est carré. Pourquoi ? Éclair au café. Sans, éclair au café. Ah ouais. Bismillah. C'est pas bon goût. Non, c'est bon, ça passe. Mmh, c'est dard. Franchement, c'est dard. Une goutte. C'est pas mauvais. Si, ça va, c'est bon. Il a dû lire chocolat noir, t'as dû dire c'est gay. Non, on le sent même. En fait, on sent que le café. On sent vraiment que le café. On dirait un éclair au café, au carton. Ouais. Sur l'échelle de Richthofen, vous mettez combien ? Moi, je mets 7. Sur l'échelle de Richthofen, vous mettez combien ? Mais elle va mettre 0. Regardez, Meliem. Sérieux ? Moi, j'ai mis 7. Les 2014, vous aimez rien, vous. 4. Bon, là, désolé, mais les gars, obligé. Oreo, là. Attends. Oreo en mode gaufre. Alors, ça, je vous annonce, ça va être claqué. Après. Ça, je vous annonce, ça va être claqué. La maladie, c'est incroyable. Moi, c'est incroyable. En fait, faut le tremper dans du lait, je pense. Là, c'est incroyable. Jure ? À ce point-là. Ça, moi. Non, non, on va s'en réserver un chacun, on va mettre dans notre poche un chacun. Sur l'échelle de Richthofen, tu mets combien ? On pourrait voir. Ah, bah, Younes, tu peux goûter en vrai. Tu devrais goûter. C'est magnifique, waouh! Donne-moi-en un pour plus tard. Bah, donne-moi-en un. Non, mais t'en as déjà. Bon, là, j'en ai pas. Ah, bah, tiens. C'est nous les deux, midi. Ah, il y a un problème, il y en avait 5. On en a mangé un, il en reste 4. Un chacun? Donc, un chacun, c'est carré. Fais ça. Non, mais là, c'est pas. Ah, non, ça, on en a toujours à l'aéroport. Si vous connaissez pas les plaisirs. Alors, moi, je vais pas vous mentir. C'est à Carrefour dans le rayon. J'ai déjà goûté. C'est les cœurs, non? C'est pas ouf. Ouais, voilà. C'est vraiment pas ouf. Mais fallait pas goûter à Miram pour une dégustation, pour une première. C'est la base, tiens. Alors, il y en a déjà un, mais il y en a un, il était à part, donc je vais le goûter. On laisse Omar et Miram, parce que moi, Sven, on connaît. Ouais, on connaît, moi, ça me sert pas. Tu sais ce que ça peut être bon dans quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est, un porridge? Ouais, ouais, je vois ce qu'on dessus, avec les cacahuètes et tout, tu mets par-dessus. Avec la prod. En garniture. Ouais. C'est trop bon. Ah, t'aimes bien? Ah ouais? Est-ce que tu sens bien les cacahuètes et tout? En fait, ça change rien du gâteau. Comme dirait Nassim, t'as des goûts. Il y a des gâteaux résistent, ça change rien, c'est le même. Non, c'est la même. Toi, tu valides ou perso? Ouais, ça va, c'est bon. Moi, tu vois, ils aiment bien, moi, Sven, on connaît déjà. Ensuite, bah, vas-y, obligé. Non, pas obligé. Non, c'est les trucs chauds, on va les garder à la fin, les deux trucs. Ouais, okay. Ça, c'est des cookies spéciales. En Amérique, je pense, dans les magasins, Carrefour, Lidl et tout, tu peux les trouver là-bas. S'more. Ouais. S'more. Ah, mais attends, c'est à quoi? C'est au chocolat et au marshmallow. Ça peut être incroyable. Ah, c'est un goût. Regardez l'ouverture qu'ils ont, eux. Ouais. Wow. Ils sont fait comme les granolas. Ouais. Mais nous aussi, on a cette ouverture. Non, on n'a pas cette ouverture. Oh. Ah ouais, mais regardez. En France, il y en aurait 8. Il y en a 24. Et c'est, les Américains, c'est tous des gros porcs, à ton avis. Ouais, mais au niveau des tailles aussi, c'est tout petit. Ouais. Voir Myriam, vas-y, goûter. Mmh. Oh, c'est incroyable. C'est trop bon. Est-ce que c'est un cookie moelleux ou c'est un cookie dur? Moelleux. Je goûte pas. Non, oh, c'est incroyable. Mon cousin, il m'a dit goûte pas parce qu'il sait que je suis malade. Est-ce que c'est moelleux ou c'est dur? Regarde. Si il fait ça, c'est incroyable. À ce point-là. Ah, si lui il en prend deux, c'est lui il est pas malade, il est en bonne santé, pas malade psychologiquement. Moi, si je goûte ça, je vais tout manger le paquet. Mais je vais tout manger le paquet, c'est pas maintenant, ça va être plus tard. On va laisser plus tard. Alors, les gars, pour l'instant, c'est le best. Il a cassé l'ambiance. M&M's peanut butter. Incroyable. Est-ce que c'est dégueulasse, les peanut butter? Ouais, mais là, c'est au goût. M&M's. Vas-y, attends, tu vas sortir. Attends, tu vas sortir. La cuillère. Vas-y, sens. Oh, ça sent le tcha tcha. Tiens, je vais quand même un tout petit peu. Regarde comment ça se présente. Elle est où ma cuillère? Vas-y, goûtez. Prends la cuillère en taille. Trouvez par terre. Elle est où? Il y en avait trois, j'ai ramené trois. Ah bah, j'ai trop de bleu doigt. Écoute, Myriam. Bah, c'est bon. Alors, franchement, il est super bon ce burger. Tu mettrais quoi, le Nutella ou ça, alors, ou ça en premier? Moi, je mets la sur 10. Moi, je pense que ça, c'est... C'est dégueulasse. On m'a déjà dit les apports dans ça, c'est... Ah, c'est pas de la merde. À ce point-là, la défaite, c'est dégueulasse. Je peux pas dire, Nutella en face de mes yeux. Il a dit c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais. Ah oui, non, mais tu peux pas comparer ça à du Nutella, c'est pas possible. Et toi, Mimi, t'en penses quoi? Non. 7 sur 10. Ah, là, 19 juste avant, on l'a vu dans la caméra. Bonne coupe. Alors, on a les pop stars. Ouais, moi, je trouve que les pop, on goûte là, les. Non, les pop. Moi, je demande les pop. Vas-y. Ça, c'est le truc qui se vend le plus aux États-Unis. Waouh. Les petits après l'école, que ils graillent ça. On va mettre ça au micro-ondes. Je vais te montrer comment ça se présente un petit peu. La chétane. Oh, le diabète. Il faut manger que le truc blanc au-dessus là. Et ça. Il faut manger.
Hey, j'ai d'avoir une idée là, ça. Tu fais tremper dans le chocolat. Et du MLM. Et tu me dis, tu le fais tremper dans le chocolat chaud. Moi, tu montes ça. Ça, c'est un tableau d'œuvre d'art. Tu mets des Malteser, du Nutella, 5 secondes. Du chocolat fondu. Ouais, c'est juste un peu, ils vont le dire. Jure. Bon, alors. Je fais de l'art plastique dessus. On partage mes limites, je partage avec. Vas-y. Vas-y. C'est moelleux. Viens voir, viens voir. C'est moelleux. Okay, ça c'est incroyable. Okay. Vas-y, goûtez, goûtez. T'as déjà goûté Kinder Cœur? Oh, tes démons qui vont se réveiller. Oh. Oh. Oh, c'est quoi? Oh, c'est archi. T'es moi, c'est quoi, crème glacée? Oh, c'est archi bon, les gars. Franchement, c'est archi bon. Ça avec un. Attends, je fais comment? Caroa. Mmh. Oh, le bâtard. Ça, tu vois, quand les gens ils disaient, les Américains disaient pop tart, je sais pas quoi. Mais là, c'était de la merde. Là, c'est incroyable. Mmh. En fait, ça glisse dans la bouche, c'est pas dur à manger. C'est sucré, mais pas trop. Là, je pense qu'au mort, on peut faire ça dans le ventre. Au fromage. Spécial américain. Passe. Par contre, si tu me fais goûter à moi, je fais goûter aux autres. On dirait la mort. Oh mon dieu. C'est dégueulasse. Oh, c'est horrible. C'est dégueulasse. C'est horrible. Tu vois avec ce qu'il a fait, c'est horrible. Ça se voit. Ça les gars, 0 sur 10. 0 sur 10. Il y a des bonbons et il y a bon courage. Avec des goûts particuliers. Qu'est-ce qu'il y a? Et y a, moi je propose que chacun pioche au hasard. Non, moi j'ai dit devant la caméra que j'en prenais 3. Et soyez contents parce qu'avant, à l'époque de Sophie, nous on avait des goûts couche de bébé. Bon, tu vas où? Je goûte pas. Après ouais. La couleur, je vais pas me spoiler. Moi tu m'en donnes trop. Tu goûtes, tu vois les couleurs. Deux oranges et un rouge, goûte les 3 en même temps. Prends le rouge d'abord, prends le rouge. Goûte tout, mets tout dans ta bouche. Ok, regarde. Mets tout dans ta bouche, Mimi, c'est ça le défi. Regarde sa tête. On va voir la caméra. Ma langue. Ah, putain, je vais faire la peignos. Je bouge pas. Je bouge pas. On va rajouter deux oranges. Les gars, je vais plus dans ce verre. Ça pique? Non, non, ça y est. C'est bon, c'est quoi la couleur? Goûte-le, toi. Omar, il a goûté celui-là. Moi, j'ai goûté le pain. Regarde, il est tout rouge. Il est tout rouge, là, sur le côté. Wesh! Ouais, t'as eu quel? Moi, ça y est, je goûte plus, j'ai fait mon tour. Il a pris le rouge, Omar. J'ai goûté le mien, mais t'es pas terrible. Bah, prends un verre. Bon, là, ça pique. Omar, il est tout rouge, hein. Allez, pire bonbon. Là, tu goûtes un quoi? Un rouge, bonne chance. Carolina, c'est hyper, c'est plus gros. Ah! Il a pris ça, Omar. Regarde, il est tout rouge. Ça va le verre, il est en réflexion. Pourquoi c'est chaud? Là, c'est chaud. Ah, tu nous as couillé, tu l'as pas mangé. Ça va? Regarde comment il nous a couillé. Jure? Regarde comment il nous a couillé. Depuis tout à l'heure, elle fait genre. Alors que là. Ça fait drôle, J'ai juste trajet parce que je pouvais pas l'avaler, mais ça pique pas. C'est dur? Ça pique moyen. Il pleure. What? C'est ça, le goût de quoi? Ouais. Ça le Il a dit ça pique moyen en train de tousser. Attends, mais ça a le goût des icônes. Tu sais, pas ce mec qui dit ça pique pas, tu vois du sang sortir de ses oreilles. Ça va, ça va. Qui a ragé? C'était moi. T'as cassé la maille, tu l'as trouvé quoi seul? C'est fini? C'était marrant. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu. Myriam, oh, Marmoskine est en PLS. Myriam, c'était sa première fois. Attends, ça va pas? Mais prends de l'eau. Oh non, putain, j'ai tout vu. Merde, il y a un robinet là si tu veux. Mais l'eau elle est chaude. Mange du fluffy. Prends la madeleine au fluffy. Ah ouais, prends la madeleine. Ça câble le fluffy. Ça va mieux? Non, ça pique encore. C'est lequel que les gens ils prennent plus jamais? Jalapeños le vert. Non, c'est pas jalapeños. Non, c'est moi qui ai le vert. C'est le rouge, il a pris le rouge. J'ai peur. Voilà famille, j'espère que ça vous aura plu. Myriam, on fera dégustation japonaise aussi. Ouais. Japonais, c'est pas mal. La famille continue YouTube, ils ont repris YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, le logo de la chaîne s'affiche. Ah, je vais vous laisser faire la fin, moi je peux plus. Non mais là, j'ai vraiment léché ma langue. Mimi, tu la salade.
c'est pas dans, c'est, on mange pas la salade dans la salade, on mange la salade dans le sandwich.